suite par la CENI ont le potentiel de remettre en cause le bon fonctionnement de notre jeune démocratie. C'est la raison pour laquelle la CENI accorde une importance particulière aux conclusions de cette commission d'enquête et pour lui permettre de mener les investigations nécessaires sur les faits avérés des pratiques frauduleuses, la CENI, pour la toute première fois, n'a pas respecté son calendrier électoral et a reporté la publication des résultats provisoires des élections des députés nationaux et provinciaux prévues initialement le 3 janvier 2024. Nous avons reçu des témoignages et des documents et nos serveurs ont pu nous fournir des preuves tangibles de ces actes frauduleux évoqués ci-haut. Et la commission va poursuivre son travail. Et pour le moment, nous laissons la parole à Madame le rapporteur pour nous présenter les conclusions de la commission. Merci. République démocratique du Congo, Commission électorale nationale indépendante CENI. Décision numéro 001/CENI/AP/2024 du 5 janvier 2024. Annulation des élections législatives, provinciales et communales et des suffrages dans certaines circonscriptions électorales. L'Assemblée, vu telle que modifiée à ce jour, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 211, vu la loi numéro 10/013 du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013 et la loi numéro 21/012 du 3 juillet 2021, spécialement en ses articles 3, 9.1, 23 ter, 24, 29, 30 et 31, vu la loi numéro 06/006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15/001 du 12 février 2015, la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017, et la loi numéro 22/029 du 29 juin 2022, spécialement en son article 2, vu les résolutions de l'Assemblée nationale numéro 003/CAB/AN/P/2021 du 16 octobre 2021 et numéro 004/CAB/AN/CM/2021 du 23 décembre 2021, portant entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu les ordonnances numéro 21/084 du 22 octobre 2021 et numéro 21/102 du 24 décembre 2021, portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu le règlement intérieur de la Commission électorale nationale indépendante, tel que déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle en son arrêt numéro R-11/1722/TCR du 1er mars 2022, vu la décision numéro 044/CENI/AP/2022 du 26 novembre 2022 portant publication du calendrier du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, vu la décision numéro 016/CENI/AP/2023 du 25 juin 2023 portant convocation de l'électorat et ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures à l'élection des députés nationaux, vu la décision numéro 74/CENI/AP/2023 du 2 août 2023, portant convocation de l'électorat et ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux,
attendu que la Commission électorale nationale indépendante a organisé en date du 20 décembre 2023 les élections présidentielles, législatives, provinciales et communales, que pendant le déroulement du scrutin, certains candidats aux élections législatives, provinciales et communales se sont illustrés par la détention illégale des dispositifs électroniques de vote, la destruction méchante du matériel électoral, l'incitation des électeurs à des voies de fait sur le personnel électoral, ainsi que les actes de vandalisme sur le patrimoine de la CENI, que dans certaines circonscriptions électorales, particulièrement celles de Massimanimba et de Yakoma, il a été fait état de l'altération des votes en faveur de certains candidats et les faits susvisés ont été documentés par des autorités politico-administratives, des candidats, des témoins, des électeurs ainsi que des cadres et agents de la Commission électorale nationale indépendante, considérant que les vérifications approfondies dans la base des données de la Commission électorale nationale indépendante ont révélé une progression anormale des suffrages de certains candidats dans certains centres de vote, considérant le caractère flagrant des faits incriminés, lesquels ont été perpétrés en violation des dispositions législatives et réglementaires régissant les élections, considérant que la Commission électorale nationale indépendante est chargée d'assurer la régularité des processus électoraux et référendaires conformément aux dispositions pertinentes des articles 211 de la Constitution, 3 de la loi organique et 2 de la loi électorale précitée, considérant qu'en vertu des articles 29, 30 et 31 de la loi organique numéro 13/100/012 du 19 avril 2013, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée à ce jour, la CENI peut se saisir et être saisie de toute question relevant de sa compétence et en délibérer, notamment de toute violation de dispositions législatives et réglementaires régissant les élections par les autorités politico-administratives, les partis politiques de compétition, les candidats, les électeurs, les observateurs et les témoins, vu la nécessité, après débat et délibération, décide. Article 1er. Sont annulées les élections législatives, provinciales et communales dans les circonscriptions électorales de Massimanimba en province du Kwilu et Yakoma en province du Nord Ubangi. Article 2. Sans préjudice des conclusions des enquêtes en cours dans les circonscriptions électorales de Bouja, province du Sud-Ubangi, de Bomongo et de Makaza, province de l'Équateur, sont annulées la totalité des suffrages obtenus par les candidats aux élections législatives, provinciales et communales dont les noms sont repris à l'annexe 1 de la présente. Article 3. Le membre du bureau ayant en charge le scrutin et la collecte des résultats, ainsi que le secrétaire exécutif national, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 5 janvier 2024, Denis Kadimakazadi, président. Annexe 1, annulation de la totalité des suffrages obtenus par des candidats aux élections législatives, provinciales et communales dans certaines circonscriptions électorales. Province Équateur, circonscription Bassankoso. Candidat Bokechu Bofili Jampo, UDPS Tshisekedi, pour fraude et actes de vandalisme de matériel électoral. Équateur Bassankoso, Bomolo Mompia Jennifer, ATUA, pour fraude et actes de vandalisme de matériel électoral. 3 Équateur Bassankoso, Gobe Yoto Hardy, MLC, fraude, incitation à la violence envers les agents
actes électoraux et actes de vandalisme de matériel électoral. 4 Équateur Bassan Koussou, Elodie Bassi Rufin Abdoul, MLC, fraude, incitation à la violence envers les agents électoraux et actes de vandalisme de matériel électoral. 5 Équateur Bassan Koussou, Bokolombe Batoulissam, APA Bar MLC, fraude, incitation à la violence envers les agents électoraux et actes de vandalisme de matériel électoral. 6 Équateur Bomongo, Mwamba Mambweza Roger, B, fraude, incitation à la violence envers les agents électoraux, incendie du bâtiment CENI. 7 Équateur Ingende, Bompanze Ngombe Freddy, A24, fraude, incitation à la violence envers les agents électoraux, détention illégale des DEV. 8 Équateur Ingende, Mboyo Engele Jean-Marie AB, fraude, incitation à la violence envers les agents électoraux et détention illégale des DEV. Bandaka, Boloko, Bolumbu, Bobo, UDPS Tshisekedi, fraude, violence, intimidation, détention illégale des DEV et utilisation des services de l'État. 10 Okatanga, Likasi, Sefou, Ramazani, Sefin, ensemble, fraude et incitation à la violence, Moutej, Kapend, Big Placide, ensemble, fraude et incitation à la violence, 12 Kasai, Ilebo, Luese, Bakwamoyo, Victorine, AADA, fraude, incitation à la violence et détention illégale des DEV. Mweka, Boshab, Maboudi, Évariste, AAP, fraude, corruption, détention illégale des DEV. 14, Chikapa, Gotota, Bakabupanda, Flori, AAC, fraude, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence causant la mort d'un électeur, détention illégale des DEV. 15, Chikapa, Piana Pierre, héritier, MLC, fraude, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence, détention illégale des DEV. 16, Chikapa, Kalala Mupingani, Félicien, A3A, fraude, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence, détention illégale des DEV. 17. Chikapa, Mwanza Munya Papi Bon Soleil, UDPS Tshisekedi, fraude, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence, détention illégale des DEV. 18. Chikapa, Ango Miji Rachel, AVCA, fraude, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence, détention illégale. 19. Chikapa, Muyamba, Gov, John, AAAP, fraude, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence, détention illégale des DEV. 20. Kasaï Central, Dibaya, Bijep, Bijep Etienne, UDPS Tshisekedi, fraude, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence, détention illégale des DEV. 21. Dibaya, Mona Lutz, Mona Kayoko Pauline, AAP, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des DEV. 22. Dibaya, Kabuya Moulambitanga Martin, AFDCA, fraude, vandalisme de
électorale et incitation à la violence. 23. Kasaï Central. Nuisa. Kalolo Zenga Franck. AACPG. Fraude, vandalisme de matériel électoral et incitation à la violence. 23. Nuisa. Kalolo Zenga Franck. AACPG. Fraude, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des devs. 24. Luisa. Kaloukouta Moussa Josué. UDPS Tshisekedi. Fraude, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence. 25. Kazumba. Tumba Mutombo Symphorien. 2A-PC. Fraude, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence, détention illégale des devs. 26. Kazumba. Makita Fouamba Iba Iba Martin. AAUNC. Fraude, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence. 27. Province du Congo. Circonscription Kaemba. Moi, Chipou, Kapata, fils. AFDCA, fraude, vandalisme de matériel électoral, violence dans le bâtiment de la CENI. 28. Kwango, Kasongolunda, Mangadi, Bifulu et Méscience. Fraude, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence. 29. Kwilu, Massima Nimba, Kipulu Kabenga Antoinette, AACRD, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des devs. 30. Mabaya Gizi Amin Jean-Philbert. AAC, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des devs. 31. Kinke Moulumba Trifon, AAAP, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des devs. 32. Mouala Bol Makom Matalatala Désiré, UDPS Tshisekedi, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des devs. 33. Sindani Kandambu Donald, 4AC, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des devs. 34. Manzenga Mukanzu Didier, AAC Barpalou, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des devs. 35. Manuanina Kyumba Nana, UDPS Tshisekedi, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des devs. 36. Kinshasa Moamba, Mbutamutu Luanga Charles, ACPA, fraude, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des devs. 37. Moamba, Mambengi Ngankuku Gabi, ABARA UNC, fraude, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des devs. 38. Moamba, Lolinga Kwako Aimé Francis, UDPS Tshisekedi, fraude, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des devs.
39, Mohamba. L'Enfer, La Faux, Yav, Freddy Faustin, AB, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des devs. 40, Mohamba. Barwani Ziambi Polidor, ACRN, fraude, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des devs. 41, Mohamba. Ngandou Mouya Yannick, AA Barcé, fraude, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des devs. 42, Mohamba. Binanou Mansi Janou, FPAU, fraude, corruption et détention illégale des devs. 43, Lukunga. Tsasa Bungu Marinelli, ACPA, fraude et corruption. 44, Tchangu. Pembe Lueba Tatiana, ADIP, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des devs. 45, Funa, Ngobila Mbaka Gentini, AA, fraude, vandalisme de matériel électoral, détention illégale. Tomba Mundu Colette, FPAU, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, détention illégale d'Ève. 47, Funa, Pouloulou Cerveau Pichou, AA Barcé, fraude, corruption et détention illégale d'Ève. 48, Mangala, circonscription électorale de Lumba, Libaya Bangisa Sar, FPAU, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des devs. 49, Mangala, Bumba, Moliki Maonde Eugénie, AAC, fraude, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des devs. 51. Bumba, Lianza Mole Abdoul, AADA, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des devs. 52. Boganga Botaté Batanga Noël, A24, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale de Dev. 53, Bongandanga, Bolingo, Botile Denise, A24, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence. 54, Tizile Boufouloabo Yéon, A24, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral et incitation à la violence. 55, province de Maïndombe, circonscription de Koutou, Monsenjou Zamba Richard, Dipo, fraude, corruption et bourrage d'urne. 56, Koutou, Lokonga Zéabe Jean-Pierre, MLC, fraude, corruption et bourrage. 57, Koutou, Mokumba Monkito Idol, Abar 50, fraude, corruption et bourrage dur. 58, province de Lomani, circonscription de Lille, Bukasangoy Prosper, Abarcé, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urne,
et de tension égale BDR. 59. Milou. Moukadi Moukadi Jano. Abar A. UMC. Corruption, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. 60. Lomami, Lilou, Milemba Boukassa Angélique. A24. Fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. 61. Lilou, Moussassa Jean-Claude, AADCA. Fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. 62. Kongolo Kabila Mouti. ABG. Fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. 63. Malou Mouabilou André. AACPG, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. 64. Lomami, Kabindaville, Tchabou, Titeng, Anne-Marie, UBPS, Tisséke, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. 65. Kabindaville. Yamashia Kasonga Christian. AAP. Fraude, corruption, vandalisme matériel électoral, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. 66. Lomami. Lubao. Numbi Numbi Clovis. UDP Kekedi. Fraude, corruption, vente de matériel électoral, et tension illégale des DEV. 67. Lomami, Kaen Sompo Joseph. 2A bar TD, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. 68. Lubao. Adingoy Gabriel. Fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. 69. Province de Maniema. Circonscription de Kasongo. Alengo Djembe Léon. AFDCA. Fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. 70. Kasongo, Kalumba Mwanango Justin, AACPG, fraude, corruption et bourrage d'urnes. Province de Tanganyika, circonscription de Manono, Kasongo Mulopwe Emmanuel, AUN. Fraude, intimidation des électeurs, violence contre les agents électoraux. 72. Province du Sud Kivu, circonscription de Kalehe. Bangijimana Siparinka Grévis. AAEC. Fraude, corruption, intimidation des électeurs, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. 73. Kalehe. Kundamatungo Kangango Augustin. UDPS Tekedi. Fraude, corruption, intimidation des électeurs, vandalisme des matériels électoraux, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. 74. Kalehe. Bourafiki Sebadware. ADD, fraude, corruption, intimidation des électeurs, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. 75. Province de la Tchopo, circonscription de Ubundu, Abdi Mouni,
Adi Mouj Naheri Jean-Claude Obama. AB 50, fraude, corruption, annulation des électeurs, bourradure et détention illégale des devs. 106, Ubuntu, Moussa Amadi Moïse, FBCA, fraude, corruption, intimidation des électeurs, bourrage dur et détention illégale des députés. 77, province de Choapa, circonscription de Béfi, et laissez Liani Ikite, tout ça, ANB, fraude, corruption, bourrage dur et détention illégale des devs. Circonscription de Njolu, Bongo Koy Pankra. AB, fraude, corruption, intimidation des électeurs, vandalisme de matériel électoral, bourrage dur et détention illégale des devs. Njolu encore, Baokopo Baike Lidi, UDPS Tshisekedi. Fraude, corruption, intimidation des électeurs, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urne et détention illégale des devs. 80, Boendeville, Bakonga Wilima Willy, APA MLC, fraude, corruption, intimidation des électeurs, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urne et détention illégale des devs. 81, Bokungu, Bosoni, Boengo, Benito, Michel, ANB, fraude, corruption, intimidation des électeurs, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urne et détention illégale des devs. Et enfin, 82, Ikela, Bofete, Bonoma, Pierre Parfait, AADA, fraude, corruption, intimidation des électeurs, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urne et détention illégale des députés.